C'est parti. Plus de conseils à te prodiguer. D'accord, Luigi. Hein, quoi? Waouh. Oh non. Non. Oh, oh non. Le professeur est mort. Bon, alors voilà, hein, vous pensiez que c'était la dernière partie, et il y a point du tout. Nous ne sommes pas dans la dernière partie. Voici le dernier. Voici la dernière partie. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ocarina Knight. Ocarina Knight. Mais... Ouais, t'as vu comment Mario court vite, là? Mario, tu vois, Luigi, tu dois prendre exemple sur Mario. Oui, je sais. Mais attends, je récupère des affiches. S'il y a de l'argent, on sait jamais. Oh non, Mario, tu as tout cassé. Comment on va faire maintenant? Je vais pas le faire. Moi, je peux pas le faire, c'est trop triste. Je vais pas réussir. Regardez, ils ont fait un effet de perspective comme dans le film, je sais plus, j'ai oublié son nom. Ils ont fait un effet de perspective, Dani? Oui. Non, mais c'est un vieux film. Ah. D'horreur, bien sûr. Ah, bah oui, attends. La fine connaisseuse, évidemment, de films d'horreur. C'est un truc que t'étudies en histoire de l'art, c'est pour ça. Et moi, j'oublie, bien sûr. En fait, j'ai dit que c'était un film d'horreur, mais je suis même plus. Ah, hein. Oh. Mario, il a disparu. Mario, il est incroyable, ce Mario. Eh oui. Alors je pense que tu t'es juste ouvrir la porte. Je voulais aller ouvrir le boîtier électrique. Oh, on arrive au toit, tonnerre. Incroyable. Pourquoi tonnerre? Pourquoi tu mets la tonnerre à ça, le pauvre? Laisse-le. Il a le M de Mario sur la tête. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est un frère Mario, regarde, il te fait un de ses sourires. Ah, je crois qu'il en a marre qu'on parle de la tonnerre, Mario. Eh, mais attends, il veut qu'on aille là-bas, ça veut dire qu'il y a peut-être un truc là-bas. Et lui... Ah non, mais Mario, il peut pas s'en empêcher, hein. C'est le gros du mur, c'est tout. Oh yeah. Luigi, pourquoi tu fais pas ça, toi aussi? Et puis en plus, il est triste, Luigi, en mode... Pourquoi je fais pas ça, moi? Il est incroyable, Mario, quand même. Attends, il y a d'autres trucs, là, t'as vu? Il y a plein de... Ah, c'est un deuxième roi bout. C'est triste quand même que Luigi peut pas faire ça. Et là, franchement, les chauves-souris, elles peuvent me pousser. Mais Luigi n'a pas peur de ça. Oui. Allez, on monte. Sérieux? C'est dans ces moments-là, quand même, tu te dis pourquoi est-ce que Luigi fait pas vraiment ça, puisqu'il en est capable. Il en est capable. Oui, mais quand il a vu son frère, il a fait. Oh non. J'ai peur. Oh, regarde, ça fait un joli plan quand même. Ah, tu veux aller voir ce qu'il y a là-bas? Rien du tout. Moi, je peux même pas y aller. T'es vrai? Non, mais j'ai pas réussi, je me suis bloqué. Bon alors, c'est la princesse. Oh! Attends, je veux voir Mario triste. Tu peux appuyer sur X? Oui, j'avoue, j'ai pu appuyer sur X. Please help Luigi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Mario? Bon, allez, on va help Luigi. Wouh! Bonjour Luigi! Bonjour Luigi! Bon bah Mario il sait plus, dans un moment Luigi il avait porté la robe de la princesse, c'est plus. Qui est vraiment la princesse, qui est vraiment Luigi? Ah, fou, là, ben, c'est pas photo. Ouais, je vous ai bien eu! Je voulais que vous soyez tous au même endroit! J'aurais quand même cru que c'est une arme fontée! T'aurais mieux fait t'enfuir quand t'en avais encore l'occasion, Luigi! Au lieu de cela, tu es venu jusqu'ici pour te battre avec moi, et... C'est vraiment stupide de ta part! Certes, tu as réussi à aspirer tous les fantômes de l'hôtel grâce aux inventions du scientifique, mais... Heureusement, je l'ai capturé! Schlip. Hein? Mais il avait même pas la langue de sortie! Bref, autant se prévenir tout de suite! Avec moi, ça va pas se passer comme ça! Quant à cette ambre brusquade, elle a laissé tous tes amis filer, tu peux pas savoir à quel point ça me met en colère. Tous ces fantômes, des minables, sans aucune exception, comme d'habitude, va falloir que je fasse le sale boulot. Je serais plus cassé, moi, du sale boulot, je te ferai rien, Lugi, je serais impitoyable. Va, manœuvre vos ruses, vos tactiques, c'est terminé tout ça avec le roi Bou.
Vous allez tous vous retrouver dans le même tableau. Considérez cela comme une réunion de famille. Regardez, j'ai même emmené Professeur Catastrophe. Et les il a cassé la machin. Et hop. Ça vous fera les pieds. Moi j'en ai pas, alors à ton tour, ça je complétera le tableau. Désolé de t'avoir fait attendre. Bon, alors t'es prêt, pas peu importe. Oh non, je viens à peine de sortir du tableau. Merci le chien. Mais il est où Luigi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a un souci là. Je devrais en avoir 7. D'ailleurs ils ont bougé les tonnes, hein, genre. Et Luigi tu comprends rien, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu devais aller dans le tableau Luigi. Bon, alors c'est vraiment le pompon, hein, je peux plus t'encadrer. Tu veux m'affronter? Alors vas-y Luigi. Ton aventure s'arrête ici maintenant Luigi. Non, je suis désolé. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous inventer encore comme bêtise? Ah. Je crois qu'il faut aller sur les dalles. Ah oui, d'accord. Il fait des éclairs incroyables. Il fait des coups de langue incroyables. Il fait un autre coup de langue incroyable. Maintenant, il danse. De manière incroyable. Oh, j'ai pas réussi à faire la corde à sauter. Moi aussi, alors que j'ai bien fait avant, justement. Bon, j'aurais pensé que... Attention, il tire des boulets. Des boules de feu avec sa couronne, rien que ça. Oh, tu as pu la tirer et alors, tu es mort. Il faut pas la tirer, donc... faut la souffler. Souffle les boules de feu. Oh, bah ça marche pas. Alors, ne soufflez-vous pas les boules de feu non plus, voilà. Maintenant, il va ajouter une boule de pique. Incroyable. Ouais, on peut la souffler peut-être. Souffler ça. Ah bah carrément. Allez. Quoi? Oh non. Ah, prends les bombes, jette dessous. Non, on va se prendre la foudre. Peut-être pas. Il a trouvé ça là délicieux. La langue. Allez. Allez, vas-y, Luigi. Tire, toi si tu peux. Oh oui, Luigi. Allez, poum. Oh oui, Luigi. Alors détruit tout. Oh, il est pas mort. Dommage, on n'a pas cassé toute la salle. Il n'est point mort. Il en manque deux ici. Nous voilà fortement désappointés. C'est gentil d'avoir laissé deux endroits pour aspirer. Ah bah voilà. Pour deux fois plus de fun. Parce qu'en réalité, ils étaient deux depuis tout ce temps. Il avait son... c'est le deuxième robe, comme on dit. Bah ouais, vous êtes deux, alors y a pas de raison qu'on soit pas deux, nous non plus, hein. Voilà, vous donnez pas de cœur dans cette partie. Non, tu feras avec tes propres moyens. Ah, lui, il fait pas de... Ça veut dire qu'il y en a un qui est faux? Ouais, je pense. Aïe. J'ai déjà plus de vie, moi. Donnez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Ils en donnent pas. Ils sont bien, ouais. Je vais faire le parfait. Ouais, c'est les boules de feu. Oh là là, comment je vais faire? Ah, on peut les repousser comme ça? Non, pas du tout, en fait, j'ai eu de la chance. Allez, il peut pas y avoir un cœur dans une boule de feu. N'y a jamais, c'est bon, les postes finales, tu réussis ou tu... Ah mince. Ah non, bah non, je me suis pris pour toi. On va avoir le game over. Oh là là. Ah bah non, il fallait pas faire ça. Oh là là. Alors est-ce qu'on va être encadré avec toute notre famille? Non. Non, ah bah tu as menti, moi. Il les a des... Oh, c'est bon. Bonne année. Bah oui, il faut. Mais non, mais t'en es tombé. Ah mince. Ah bah bravo, Luigi. Allez, les amis. Oh, il a donné un cœur, là. Enfin, ça a peut-être toujours été le cas, mais... Bon, tout à l'heure, on n'a pas donné, hein, non, hey, mais c'était un gros radin dans la première phase. Dans la première phase, il... Enfin, oui, dans la première phase. Ah, c'est le moment où il va faire la corde à sauter de langue. Ah non. Oh, ah oui. Oh là, il y a du gros skill de la part du roi Boule. Alors, par contre, quand il va faire son truc, là, avec la langue, je sais pas comment on évite. Enfin, ça va faire un trou, je crois. Ouais, genre, il monte, il descend. Là... Oh, c'est bon. Corde à sauter de langue, non, j'ai raté. C'est pas drôle, donne-nous des cœurs. On ne voit vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Bon, là il va jeter les boulets quand même. Ah ouais. Ah, il en jette deux même. Pour deux fois plus de cœur, j'espère. Ah. Non, on s'est pas visé. Là. Pourquoi t'as gagné un cœur? Parce que j'ai tué une araignée. Ah, il y avait une araignée où? Pourquoi Par terre. Pourquoi il y avait une araignée? Il y a de l'argent dedans en plus. Pourquoi il y avait une araignée?
Est-ce qu'une araignée prend feu? Je suis pas vous. Bon, allez, il va peut-être jeter le boulet. Par contre, t'as vu mon nombre de cœurs? Il est bizarre. Mais c'est parce que t'as perdu 5 points de vie. Ouais. Oh, j'ai visé trop haut. Ah, d'accord. Le feu, il donne des araignées. De l'argent. Yes. Mais t'as pas eu le bon. Non, non. J'ai visé le mauvais. Je me disais. Non, mais c'est pas possible. Non, mais en plus, le pire, c'est que... Oh mince, il revient. En plus, tu vois, je l'ai vu. Ah, et là, c'est lequel bon, là? C'est lui, là, à gauche. Et non, ouais. Le boss, alors... il en a marre, là, ça y est. Bon, vous me battez, oui. Oui, bah, on va faire... Moi, je veux bien, mais... Triche aussi. Mais quoi? Ah, allez, bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh, bien joué. Incroyable. Allez, tiens, prends la lumière. On allez tire. Oh, regarde, on a perdu une pièce. Oui. C'est pour Luffy, on va la laisser on là. Voit même pas ses points de vie. Il en a pas. Il en a pas, il en a zéro. Ouh là là, attention, il est énervé le boutique. Attention, il va mais se lancer. Mais pourquoi on pourrait pas se... Eh, salut, j'étais dans le tableau. Il va le manger. Ouais, il le grandit pour... Ah là, si on se fait toucher, direct c'est game over. Ah, il va aspirer l'hôtel entier. Ah bah, c'est pour avoir... C'est une façon comme en réalité, tu pensais que c'était la partie finale, mais en fait, c'était que la moitié. Hein. Ça, c'était l'arc 1. Maintenant, on atteint l'arc... Après, on va aller dans l'arc, le monde des tableaux. Et franchement, si les arcs, ils sont aspirés et pas Luigi... Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Ah, là, on a que 4 minutes, donc tu vois, on a un petit timer, là, donc il... Allez. Du coup, oh non! Waouh! C'était juste. À gauche. Oh, mais c'est horrible parce qu'en plus, on met 10 000 ans, nous, pour faire les trucs là! Ah, oh, mais... il est sympa quand même! C'est celui à droite. Ah, bien joué! Bien on perd pas de temps, ils ont dit là. Il n'y a plus de timer de toute façon, donc. Il y a des gants de boxe qui volent. Allez, go, 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 go! Bon, tu noteras qu'on avait un timer, mais maintenant c'est pas grave, on peut... Ah, il faut appuyer... Ah, là. Je sais pas, je vais appuyer sur je suis parti. Oh, ça l'a eu. Allez. Et là, on va gagner une gemme. Luigi, il a fait... Non, mais c'est bon, Luigi, hein, je te laisse en occuper. Tu peux le prendre? Non, je tourne en rond, tu m'empêches d'y aller en mode... Eh non, quand même, hein. C'est arrête de ruiner de Luigi, le... là. Arrête de ruiner le fun, Luigi. Ah, mais Luigi, il est là. Attends, c'est une cinématique où on voit Luigi. Incroyable. J'avoue. Luigi... Ah non, le diamant, on s'en fiche. Ah... Bien joué, Luigi. Luigi, regarde. Ce n'est pas fini. Maintenant, il va falloir faire attention. Parce il va que... falloir descendre avant bah, que... Comme on a battu le boss... C'est un peu comme la tour de Ganon, là. Il faut descendre avant que ça explose. Mais non, t'es sérieux, Luigi? Luigi! Il est pas rentré. Il a juste dit bye bye parce que... Ça va. Oh, regarde ton chien, hein, t'as sauvé la vie. Eh hey, mais Luigi... Enfin, il y a que la moitié. Ah non, j'allais dire. En fait, il était pas du tout dans l'Ectoblast. Bonjour, bah écoute, hein. Oh, mais c'est terrible, l'hôtel est détruit. Comment allons-nous chercher les boucs qu'on a oubliés? Bah, y a pas besoin d'aller les chercher, ils sont morts. C'est sûr. Ah, Mario et ses Toads, hein, on se souvient de Mario Maker 2, il devait chercher les Toads. Faut tout le temps les sauver, ces Toads. Tout le temps, hein. Alors, professeur, ça a un peu du mal. Oui, tu cours. Pas grave, Luigi, si tu fais pas des sauts de la mort, mais... Ah, j'aime. Luigi, il apprend à chaque fois. Et... Elle a bien grandi. Ah, mais c'est la galerie. Ah, dommage. Vous aviez tout mis dans la machine, et ben... On s'en va. Bah, ils ont retiré la gemme, Luigi. Pourquoi la gemme? Qu'est-ce qu'on va devenir sans la gemme? Ouais, juste à détruire notre maison. Oh, un fromage. C'est pour le repas de fête à la fin. Allez, c'est pas grave, on reconstruit tout. Et comme ça, vous avez une maison. Et tiens, super Mario Luigi Maker. Maker. Tiens, prends aussi.
super, on va construire une maison. Il a mangé le casque. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah bah c'est fini, voilà. Enfin. Non, pas Dark 2 où on va dans le monde des tableaux, tout ça. Ah, c'est mais Luigi, Mario il va aider aussi, tiens. Ah bah c'est le pro. Ah bah c'est le pro maintenant, et maintenant c'est un spécialiste, il va aller tout chercher. Mario est pas doué en construction, par contre, pour aller chercher les objets. Fonds, ça va. Ça va. Bon, et bien voilà, c'est la fin de Luigi's Mansion 3. Le jeu était sympathique, parce que franchement, ils ont vraiment fait un super effort au niveau des environnements, je trouve. Oui, en fait, là c'était une espèce de vitrine de tous les environnements possibles et imaginables. La variété d'environnements était vraiment super cool, en fait, et j'ai envie de dire, c'est ce qui pousse un peu à continuer d'avoir envie parce de... Parce que chaque étage a son histoire, finalement. Chaque étage a son histoire, les boss ont bien leur propre personnalité, si je puis dire, et au final, voilà, franchement, c'était cool, là, l'étage avec les plantes, là. Bah, surtout qu'en plus, oui, c'est vrai qu'il était très beau cet étage, j'avoue. Du coup, on peut enchaîner sur quel est ton étage préféré. J'avoue, et j'ai envie de te dire là, justement, j'ai un très bon souvenir de l'étage champêtre, du coup. Bah oui, du coup, tu as dit ça, j'ai pensé aussi. Sinon. J'ai été très impressionnée par les étages de la suite égyptienne et de la suite des pirates parce que. Bah oui, ce sont des étages avec. Franchement, la suite des pirates. On est dehors, à l'intérieur, c'est génial. Forcément, la piraterie, c'est toujours cool à représenter. C'est toujours joli, quoi. Et j'ai envie de dire, ouais, je pense que c'est peut-être les deux étages que je retiendrai, du coup. En plus de la suite. La suite pirate et la suite. C'était la suite de. Je sais plus comment elle s'appelait, du coup. La suite pirate, c'était la pêche. Pêche, je sais plus quoi. Pêche quelque chose. Même si, il y a quand même un petit bémol que je mettrais sur ce jeu. C'est au final, je comprends pas. Enfin, j'en ai déjà parlé un peu dans la partie début. Je comprends pas tout ce côté revenir plus tard pour aller faire un truc random. Avec l'upgrade que tu gagnes plus tard, je comprends pas. Pourquoi cette upgrade, elle est aussi tard? Ou à l'inverse, pourquoi l'étage de la musique était aussi tôt? Du coup, ça c'est le seul... C'était bizarre. C'était le point un petit peu noir que j'avais à mettre, parce que dans Luigi's Mansion 1, j'ai pas fait le 2, toi non plus. Moi non plus, enfin j'ai fait que le début et je m'en souviens pas. Et le côté, les bouts apparaissaient à partir... Dans le 1, du coup, les bouts apparaissaient à partir du moment où... T'avais fini la salle, hop, le bout est là. Mais direct en fait, y a pas de transition, tu vas pas sortir, rentrer... Non, le bout est là, c'est bon. Mais aussi, je trouve quand même que donc nous, on y a joué de manière assez étalée. Ah oui, non mais là... On n'a pas enchaîné le jeu, et j'ai trouvé ça quand même assez agréable, parce que, allez, ce soir, un petit peu de Luigi, fait un étage, voilà, c'est bon, on reviendra le lendemain. Justement, le jeu est pas prise de tête, en fait, c'est ça qui est plutôt sympa, à part le début du jeu, en fait. Oui, le début du jeu était long. C'était vraiment très très long, et justement on est arrivé à l'étage 4, l'étage du concert là. Justement, tout est bizarre dans cet étage, parce qu'il est beaucoup plus court que tous les précédents. Et même Luigi aide. Luigi s'en charge. Mais sinon voilà, c'était très très sympa. Même là justement, voilà, l'étage 4 j'ai pas trop aimé d'y retourner, par contre l'étage B2, il y avait un peu un intérêt d'y retourner, justement. Déjà il nous manquait une gemme et... Ah bah il nous manquait une gemme dans l'étage de la salle de concert. Oui mais ça nous a montré des nouveaux endroits en fait. Oui. En fait ça aurait été bien que le trou qu'on ait fait dans le mur, ça monte pas juste un orchestre et que ça fasse une petite zone en plus. Mais en tout cas la direction artistique de ce jeu est géniale. J'ai bien aimé le dernier étage de la suite majestueuse, finalement. Maîtresse. Pas majestueux. C'était très, très, très cool aussi. Mais franchement, c'était très sympa. Hein. Même, les personnages, ils sont très cool. Hein. Le petit chat, là, regardez-le. Oui, j'ai beaucoup aimé affronter le chat. Même le chat, hein, sa forme chat-garou était pas mal. Franchement, ils ont eu des bonnes idées. Au niveau des boss, ça allait. Parce que dans Luigi Mansion, c'est tout le temps le même boss. Hein. Tu l'aspires, il y a un petit truc à faire. Ouais, c'est bon, le petit truc à faire, c'est bon, tu l'as trouvé. Hein, tout le monde est aspiré, c'est tout le temps la même chose. Et là, ils ont fait quand même un truc plutôt sympa. C'était agréable quand même. Plus, franchement, de pouvoir y jouer à deux, c'est super. Et ça, ouais, franchement, ça c'était le plus du jeu. Pouvoir y jouer à deux, c'était vraiment super sympa. C'était rigolo, voilà. Luigi, en plus, c'est une mécanique plutôt sympa. Alors en solo, je me demande quand même qu'est-ce que ça donne, parce que tu peux en contrôler qu'un à la fois. Oui, je me demande à quel point c'est... Oh, on a eu le rang A. Est-ce que le A c'est le maximum ou est-ce qu'il y avait le rang S? Non, je pense qu'il doit avoir S, mais à mon avis, voilà, il faut plus... En fait, là, vous voyez pas du coup à cause de la caméra, mais on a gagné 70 000 pièces et... À mon avis, il en faut plus pour avoir le rang Peut-être qu'il en faut 100 000.
Et du coup, on a tout construit avant de repartir, genre, n'est-ce pas? Avec Luigi, tu pars pas avec Luigi? Bah non, il reste avec le professeur. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, on parlait des rangs. Ouais, les rangs, bah on a vu, c'est encore les pièces, hein. Plus t'as de pièces, enfin d'argent, et plus t'as d'argent, plus t'as un meilleur rang. Bon, ça va, on n'a pas été si nuls. On n'a pas été si nuls, après c'est vrai qu'on n'a pas non plus farmé, mais. On a pris les trucs, on est parti, enfin voilà. Ah, l'outil s'endort. Il retourne au royaume champignon. Bon voilà, en tout cas c'était plutôt sympa. Je sais que j'arrête pas de le dire, mais. Fin! Au revoir tout le monde! C'est Luigi qui l'a dit, c'est la fin de la vidéo! C'est la fin de la vidéo! Peut-être que. Attends, on reprend au roi Bou? Ouais, j'avoue. Bon, à mon avis, tu dois pouvoir partir. Pas possible. On est bloqué pour toujours au roi Bou. Mais oui! Mais oui! Mais c'est la première fois qu'un jeu vidéo fait ça! Mais pourquoi? D'habitude, on nous remet devant la porte du boss, on nous met pas directement au boss! Là, oui, je... Bon, ouais, non, mais c'est bon, t'as fini le jeu, t'as fini le jeu, c'est bon, qu'est-ce que tu veux faire, là? De toute façon, voilà. Eh bien, ça en fait du bruit. Du coup... Ah, mais il y a de la poussière, maintenant, comme si on n'était pas venu ici depuis des années. C'est bizarre. Pourquoi vous avez mis de la poussière? De la poussière, maintenant. C'est bon, hein. Je voulais aller au labo, mais en fait, ils ont été absorbés. Du coup, est-ce qu'il y a toujours le labo? Mais non, il n'est pas encore absorbé, justement. En fait, ils ont mis un message pour te dire si t'as attention, si tu vas plus loin. Ah oui, d'accord. Un brebruscade. Et son chat qui court sur le machin. Ah oui, du coup, le roi Bou, il sera jamais là. Oui. Ah, c'est trop bien. On peut pas avoir d'un. Donc, je disais que ne vous inquiétez pas, Luigi Mansion n'est pas terminé parce que finalement, on n'a pas vu le. L'autre mode, je sais qu'en plus vous l'avez demandé, hein, y a quelques personnes qui m'ont contacté par message privé sur Discord pour me demander est-ce que vous allez faire le mode tour, je sais pas quoi, là, je me souviens plus du nom. Mais en tout cas, du coup, voilà, attendez-vous à des parties supplémentaires. Alors, au moins une. Voilà, au moins une, je sais pas trop combien. Je sais pas s'il y en aura d'autres, mais. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, on fera ça. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, Luigi Mansion 3. Donc, petite partie extra. Restez à l'écoute, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer cette fameuse partie bonus. Et même les prochains let's play à venir. Et si vous avez essayé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter votre ressenti sur le jeu ou d'autres choses. Racontez ce que vous voulez, voilà, ce que vous avez moché. Donnez votre avis sur le jeu, sur le let's play, sur. À mettre sur le qu'est-ce que vous aimez, aimeriez qu'on fasse. Et puis suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne pas manquer toutes nos activités, etc. Bye bye tout le monde. Salut tout le monde. À bientôt.